focus sur le nouvel outil des douanes ivoiriennes visant à faciliter les échanges et à réduire les risques commerciaux pour les opérateurs économiques avant l'importation de marchandises. Le programme Palmier Ivoire a été officiellement lancé le jeudi 20 juin dernier à Yamoussoukro. Une cantine scolaire pour le bonheur des tout-petits à l'EPP Banticro de Tapigué dans le département de Daloa. Les élèves ont gratifié l'assistance de pas de danse. C'était un repas de retrouvailles et de cohésion offert aux militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Gagnoua. Il a été offert par le député de Gagnoua commune, l'honorable Camarazon, en marge de la célébration de la Tabaski. Il s'agissait pour l'honorable Camarazon, à travers cette action, d'exprimer son soutien et sa solidarité aux populations de cette ville pour leur esprit de vivre ensemble et d'hospitalité. Lors de cette rencontre, des prières ont été formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Tout en se félicitant des nombreux projets de développement qui ont été réalisés dans le GO, l'élu a également rassuré que l'unité est désormais de mise au RHDP à Gagnoua. L'unité est déjà faite, hein, parce que c'est ceux qui n'ont pas compris qui trouvent que c'est un problème. Mais la direction du RHDP est tellement forte, elle s'est assise, elle a réfléchi, elle a trouvé que la région était tellement vaste pour une seule personne. Donc ils se sont dit, pour mieux cibler nos militants, on va couper en deux, Gagnoua commune et sous-préfecture pour le ministre-gouverneur, lui André Dakoury Tablé, et Oumé, département et sous-préfecture, Diogonefla, Ouragayo, Bayeta, Guibéroua, Galébré, pour notre papa le doyen, Djedje Bayon. Les responsables des structures spécialisées du parti ont répondu massivement à l'invitation de leurs députés. Pour terminer, l'honorable Camarazon a invité les Ivoiriens à œuvrer pour le maintien de la sécurité pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Les douanes et la coopération internationale allemande pour le développement GIZ ensemble pour l'amélioration des échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. En tant qu'expert principal et au vu de ma petite expérience, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Que ce soit le comité opérationnel sous le leadership du colonel Hake qui a vraiment fait tout le nécessaire pour que l'équipe soit à disposition, qui ont travaillé jour et nuit pour vraiment faire de ce projet une réussite et des décisions anticipées une réalité. Agents des douanes, experts, chefs d'entreprise, secteur privé, tous ont répondu présents au lancement de ce nouveau projet. Cet événement est le fruit d'une collaboration exemplaire entre la Direction générale des douanes, la coopération allemande, mais aussi la Direction générale du commerce extérieur. Ce projet d'appui aux mécanismes de décision anticipée permettra aux opérateurs économiques, dans leurs différentes composantes, de mieux planifier leurs opérations commerciales, de réduire les risques de litiges douaniers, de réduire les coûts et délais des formalités de dédouanement et accroître leur compétitivité sur les marchés. Ils sont environ 1500 jeunes qui ont été formés aux nouvelles techniques de production du palmier à huile dans le cadre du programme Palmier Ivoire, un programme initié par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique afin d'améliorer la productivité chez les petits producteurs. Ce sont ces jeunes issus de 100 localités de production de palmier à huile qui étaient présents à l'occasion du lancement de ce programme à Yamoussoukro. Nous avons vu en cela un potentiel important pour apporter notre contribution aux efforts déjà existants pour améliorer la productivité dans les plantations villageoises. Et donc c'est dans ce sens que nous avons, avec Nepper Ventures, mis en place ce programme qui a été développé dans les grandes zones de production du palmier. Fruit de la collaboration entre le PCCET et l'entreprise Nepper Ventures, le programme à Palmier Ivoire est financé par la Banque mondiale. C'est un programme qui met l'accent sur l'innovation et la mécanisation. En mettant en place ce programme Palmier Ivoire, le PCCET contribue ainsi à la création d'une nouvelle génération agriculture capable d'innover et d'augmenter la productivité agricole tout en favorisant le développement des zones rurales souvent délaissées au profit des villes.
Principale cible de ce programme, la jeunesse est invitée à s'approprier le programme à Palmier Ivoire afin de s'offrir une opportunité d'insertion professionnelle. Pour le ministre Mamadou Touré, le lancement d'un tel projet est la preuve de l'attachement du président de la République Alassane Ouattara à la question de la jeunesse. L'ambition du chef de l'État pour la jeunesse ivoirienne est forte et clairement affichée. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision Côte d'Ivoire 2030. Enfin, je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous êtes non seulement la priorité, mais aussi l'avenir de ce pays. Le gouvernement ivoirien croit en votre potentiel et investit massivement pour votre réussite. Au cours de cette cérémonie, une convention entre l'agence Emploi Jeune et Nippers Ventures a eu lieu dans l'optique de favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans le domaine agricole. Ces jeunes devront à leur tour apporter un encadrement technique à quelques 30 000 producteurs afin de permettre la démultiplication de ces bonnes pratiques qui intègrent également la gestion financière et l'utilisation des engrais biologiques. Les 1500 jeunes formés à travers le programme à Palmier Ivoire ont également bénéficié d'une formation civique dispensée à l'Académie des Forces Armées de Zambacro. Une cantine scolaire pour le bonheur des tout-petits. La remise du bâtiment servant de cantine scolaire à l'EPP Banticro de Tapégué dans le département de Daloa vient à point nommé parce qu'elle va permettre aux enfants de tous les villages environnants de prendre un repas chaud à midi. Ce beau bâtiment d'une valeur de 7 500 000 francs CFA est l'œuvre du Rotary Club Daloa Centre-Ouest. Nous voulons accompagner dans le développement et la promotion de l'école. Soulager nos parents qui dans cette localité sont à 100% des paysans qui vont à leurs occupations, qui n'ont pas le temps vraiment de s'occuper des enfants à midi. Et donc c'est une occasion pour nous d'aider aussi les parents dans l'encadrement des enfants en leur offrant un local où les enfants pourront se nourrir les midis et travailler tranquillement. Recevant ce bâtiment, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation salue cette initiative qui vient contribuer à améliorer les résultats scolaires. Alors, cette cantine va d'abord nous permettre d'assurer la assiduité de nos écoliers, la ponctualité de nos écoliers et également permettre à ces enfants de trouver et un intérêt en allant à l'école. Pour exprimer leur joie et dire merci au Rotary Club d'Aloa Centre-Ouest, les élèves de l'EPP Banticro de Tapégué ont gratifié l'assistance de pas de danse. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.setinfo.ci.